qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants. En vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez fort, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Qui de nous va te trahir? Qui de nous te reniera? Pour toi je pourrais mourir. Nous nous abandonnons à toi. Toi qui parles de ta mort, c'est ta vie qui parlera. Vous qui me croyez encore, non, ne perdez pas la foi. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres. S'écrit même dans le noir. C'est à vous, c'est à vous de le voir. Aimez-vous les uns les autres. Tout est grâce. Comment demeurer dans la grâce? Vous voyez, il y a un rapport d'adéquation entre nos vies spirituelles et nos vies professionnelles, familiales, à établir en tant que chrétiens. Vous et moi, nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux et nous avons besoin de marcher dans ce que nous avons reçu. Pour cela, il faut une pédagogie divine. Pour entrer dans le tout est grâce de Dieu, le deuxième point, la deuxième étape, la deuxième clé, c'est de marcher par la foi. Tout à l'heure, le Père va venir gâter le coin. Moi, je suis là juste pour vous aider à télécharger, à quitter vos fatigues, parce que tout à l'heure... Est-ce que vous le connaissez? Ah, ça va aller. Marcher par la foi. 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 7b. Dieu nous a donné des armes offensives et défensives. Nous ne sommes pas démunis, vous et moi. Nous sommes des enfants bien-aimés, gâtés, pourris, choyés par un papa. Papa, il y avait papa, bon Dieu qui nous aime. Et il ne nous a pas donné, il ne nous a pas délaissé, il nous a donné des armes offensives et défensives. Le tout est grâce, la foi, avoir du discernement. Hein. Je dis, Seigneur, si c'est le moment de me rendre multimillionnaire, le moment est arrivé, je te dis merci. Mais si ce n'est pas ton moment et que c'est la main de l'ennemi, alors j'annule ça au nom de Jésus. Alors le coordinateur m'a demandé le numéro de mon assurance pour écrire à mon assurance, etc., etc. On n'a plus jamais entendu parler de ça. Il ne m'a plus relancé. Je dis Seigneur, parce que moi je suis assistante paroissiale là-bas et donc j'ai un curé. Je suis nommée pour cela et payée pour cela. J'ai prié, je dis Seigneur, incline le cœur, dans un protocole de prière, je dis Seigneur, incline le cœur de mon curé en faveur de tes intérêts dans ma vie, dans ma mission. Tu n'as pas prévu que je dépense 22 000 euros. Et puis je n'ai pas dit où est-ce que je vais aller chercher, hein. Je ne me suis même pas inquiétée de ça. Parce que si ça arrivait, c'est qu'il a prévu quelque chose pour moi, alléluia. Si Dieu, si on te ferme une porte, Dieu va t'ouvrir un portail. Si tu perds quelque chose de grand, Dieu va te donner quelque chose de plus grand. Si tu perds quelque chose de précieux, il va te donner quelque chose de plus précieux. C'est comme ça qu'il faut parler à Dieu. Et dernièrement, j'étais dans ma tranquillité évangélique. Tout d'un coup, je reçois un SMS. Sœur Monique, je ne vous ai pas dit. Je reçois un SMS. Le SMS disait en néerlandais que finalement,
le tout revient à 15 000 euros. Bon, je dis, Seigneur, je ne me sens pas concernée par ces 15 000 euros. C'est-à-dire, je n'ai même pas... Parce que j'ai terminé de prier. Vous savez, quand vous priez, restez tranquille, marchez dans l'assurance. J'ai juste prophétisé encore, je suis dans le tout est grâce de Dieu. Quand j'ai eu terminé, après j'ai eu une rencontre avec... Parce que nous devons organiser l'année prochaine pour le cinquantenaire du renouveau charismatique. Nous devons organiser le 10 juin dans mon lieu de pèlerinage un grand rassemblement pour toute la Belgique. Donc après la rencontre avec le coordinateur et le berger flamand, je demande au coordinateur, mais monsieur Jules, de quoi parlais-tu, les 15 000 euros? Il dit, non, ça ne te concerne pas. Alléluia! Nous avons un Dieu fort. Nous marchons dans le tout est grâce de Dieu. Je vais terminer. Marcher dans la grâce de Dieu. Marcher dans la grâce de Dieu, c'est marcher dans la joie. Dans la joie. Notre joie n'est pas liée aux circonstances. Et de plus en plus, je grandis dans cette assurance, dans cette paix face aux difficultés. Imaginez-vous une communauté qui va s'installer, venue d'Afrique, qui va s'installer en Europe. Imaginez tous les enjeux. Nous devons non seulement s'installer, mais nous enraciner, être autosuffisants à tous égards pour que les gens sachent que de l'Afrique, quelque chose peut sortir de bon. Alléluia. Nous ne voulons pas dépendre de qui que ce soit. Mais nous dépendons de la banque du ciel. Et notre joie, rentrer dans le tout est grâce de Dieu, c'est accepter que ta joie est liée à la fidélité au Christ. Tu m'entends? Ma joie, c'est lié, ma joie et mon assurance me viennent de ma fidélité en Christ. Et je vais terminer par ce verset. En Actes, le chapitre 16, verset 25, il me semble-t-il, vérifié. C'est Paul et Silas qui avaient été emprisonnés. Et la Bible dit, et c'est devenu chez nous, dans ma maison, c'est devenu notre temps de prière. Tous les samedis, nous avons un temps qui est dénommé vers minuit. Vers minuit. La Bible dit que Paul et Silas avaient été emprisonnés. Et ils étaient dans la prison. Mais il y a une particularité de ce verset, c'est qu'à un moment donné, ils se sont mis à chanter, à louer. Mais alors, je me suis interrogée, j'ai interrogé le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que c'est en ce moment, ils étaient en prison enchaînés, mais que s'est-il passé? Ils n'ont pas commencé par louer, ils étaient en prison. Mais tout à coup, la Bible dit tout à coup, remarquez bien, quand il y a des tout à coup dans la Bible, quand il y a des soudains dans la Bible, ça veut dire qu'il y a eu une transformation, alléluia. Ça veut dire que quelque chose s'est passé dans la vie de l'homme de Dieu. Il est venu, ils étaient abattus, ils étaient découragés, mais tout à coup, soudain, brusquement. Alléluia. Je dis, tu vas rentrer dans le tout à coup de Dieu. Alléluia. Tu vas rentrer dans le soudain de Dieu au cours de cette soirée. Les données ont changé. Les données vont changer pour toi. Et nous prenons tous les gratuitement tous les samedis. Nous allons nous louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas ont commencé à adorer, à louer Dieu, à être joyeux. Ils ont compris que leur vie ne dépendait pas des chaînes, que leur vie ne dépendait pas de la prison. Hein? Il y a un cantique qui dit, si Joseph était dans la prison, sa prophétie n'était pas dans la prison. Tu m'entends? Si aujourd'hui tu es dans les difficultés, la prophétie sur ta vie n'est pas dans les difficultés. Ta prophétie est plus haute que tes problèmes, alléluia. Ta destinée n'est pas dans tes problèmes. Et nous avons, et Silas, parce que Silas ont commencé à louer Dieu. La Bible dit que les chaînes sont tombées. Dans le tout est grâce de Jésus-Christ de Nazareth, il faut le louer. C'est quand il y a problème qu'il faut louer Dieu. Tu m'entends? Et ce n'est pas naturel. Vous savez, c'est justement quand il y a des problèmes que nous sommes abattus. Nous sommes comme paralysés par les problèmes. Mais c'est l'antidote, le remède aux problèmes. Nous, les chrétiens, nous avons des armes offensives et défensives. Et une de ces armes, c'est la puissance de la louange. Je n'ai pas dit chanter, j'ai dit louer. C'est-à-dire, tu te mets devant ton sanctuaire et puis tu fais « Acclamez, acclamez Jésus ». Pendant que tu acclames, tu convoques tous tes problèmes. Tu dis « Endettement, assis-toi là. Viens, 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 viens. Problème de difficulté à les enfants, toi, mets-toi là. Problème avec la femme et le mari, mets-toi là. Problème familial, mets-toi là. » Tu les convoques. Et tu fais « Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. » Et puis, tu regardes bien le problème d'endettement pour lui dire, il est bon de louer Dieu, alléluia. Problème familial, il est bon de louer Dieu, alléluia.
Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Alléluia. Louons Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Et puis pendant que tu es en train de faire ça, le problème va s'élever pour partir. Il va dire, mais attends. Ils vont s'élever un à un. Alléluia. Je dis, allez pratiquer ces choses-là. Vous voyez, quand on vous donne des enseignements, allez les pratiquer. Vous allez voir, ça marche. À Dieu soit la gloire. À Paris, je prêchais dans un groupe de prière que le père Aubin connaît, qu'il fréquente aussi, Christo Bolingo. Et j'expliquais ça à ses mamans. Et il y a une maman, la femme du berger précisément. Je leur ai dit, convoquez vos problèmes et puis parlez-leur. Toi là, ton règne est terminé sur moi. Tu m'attristais, tu me causais problème avec le mari ou avec la femme. Regarde-moi bien. Je suis une fille de Dieu, je ne vais pas me laisser abattre par toi. Et commence à louer. Elle a fait ça, elle avait un souci, un gros souci. Ils devaient déménager, ils n'arrivaient pas à trouver une maison sociale selon leurs besoins. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle allait appliquer ce que je lui ai dit, convoquer tous les problèmes, leur parler sévèrement. Alléluia. Jésus, quand il y avait la tempête, il n'a pas causé avec la tempête, il n'a pas dit « Oh tempête !» Il a dit « Tais-toi !» Il dit « Tais-toi !» Donc il faut parler aux tempêtes de ta vie. Et cette femme a fait cela, elle a convoqué tous ses problèmes, et quand elle a eu terminé, je leur ai dit, achète une bière ou un vin, et puis arrose, mange devant les problèmes, bénis Dieu, et puis commence à danser. Elle a fait exactement cela. Le lendemain, quelques jours plus tard, c'est, comment il s'appelle ce monsieur, Michel Copé en personne, qui était le maire de sa commune, qui lui a ouvert les portes et qui lui a donné un appartement qu'elle ne méritait même pas, Dieu soit la gloire. J'ai dit, adore ton Dieu, nous baissons la tête. Voici l'onction de Dieu pour déplacer les montagnes. Au nom de Jésus. Père, relâche ta grâce maintenant de guérison. Oh, il y a une grâce excellence au milieu de nous. Reçois l'onction de guérison. Voici l'onction de guérison. Recevez maintenant l'onction d'amour. Voici l'onction d'amour du Père qui vient à toi maintenant. Tu vas prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur ma route. Toi qui étais la parole, tu es devenu un homme. Ta parole est une lampe sur ma route. Et je la sers dans mon cœur. Que cette parole travaille en moi, travaille dans mes circonstances les plus difficiles. Et que dès ce soir, dès maintenant, dès cet instant, qu'il y ait des retournements de situation, des miracles à cause de ta parole, sur le fondement de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je vais demander à mon assistante de joindre le chœur. Nous allons prendre un cantique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais elle va chanter avec vous et vous allez chanter avec moi tout simplement. Le cantique dit ceci, ton esprit sur nous, Saint-Esprit vient et descend. Ta puissance sur nous,
Saint-Esprit, viens et descends. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et descends. Ton esprit sur nous, ton esprit sur nous, ton esprit sur nous. Saint-Esprit, viens et descends. Ensemble, ton esprit sur nous. Ton esprit sur nous. Oracha karabababa. Ton esprit. Oramaya kuntaba. Ton esprit sur nous. Saint-Esprit, viens et descends. Ta puissance sur nous. Ta puissance sur nous. Ta puissance, Saint-Esprit. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous. Saint-Esprit, viens et descends. Saint-Esprit, viens et descends. Nous avons, nous avons. Nous avons besoin de toi. 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 Saint-Esprit, viens et descends. Saint-Esprit, viens. Sur nous, ton onction, Oramacha Baba Baba, sur nous, ton onction, ton onction, sur nous, ton onction. Et priez en esprit avec moi. Si tu ne pries pas en esprit, prie dans ta langue. Nous allons demander à Dieu de faire descendre l'onction de sa grâce sur nous. Gora ila baru ala ya kera ura bara Allah 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 la bala Illa ila ila la Illa ra bara ula. Levez les mains, il y a une onction qui descend sur nous maintenant. Père, oh, je vois une grâce excellente qui est en train de descendre sur nous. Ella, 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 la, burabala. Le Seigneur me donne la vision de roses qui étaient fermées. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a comme un ange de Dieu, qui vient ouvrir ces roses et il donne à chacun d'entre nous ces roses. Recevons les roses de Dieu au nom de Jésus. Et le Seigneur est en train d'ouvrir ce qui était fermé dans ta vie. Le Seigneur est en train d'ouvrir les portes fermées. Je vois des portes qui s'ouvrent. Il y a une onction ici qui ouvre les portes. Voici l'onction qui ouvre les portes. Recevez au nom de Jésus.
Ora ya bara ya bere ula ra baru ala la bala ula. Embere ya sura ra bara ora kera ala la bala. Et le Seigneur me redonne cette vision qu'il m'avait donnée quand nous étions en train de prier dans la voiture. Je vois maman Cécile Marie de l'Espérance dans une grande gloire. Il y a comme des cerceaux, il y a trois cerceaux. Le premier est un cerceau de feu. Je veux que tu t'avances ici, maman Marie-Cécile. Nous allons étendre la main sur toi. Il y a une onction excellente sur ta vie et sur ton ministère. Il y a comme un cercle, et il y a trois cercles qui t'entourent. Le premier cercle est un cercle de feu. Le second est un cercle d'argent. Et le troisième cerceau est un cerceau de rose fuchsia. Et je vois ces cerceaux qui tournent autour de toi, qui tournoient autour de toi. Et le Seigneur dit, le premier cerceau, c'est le feu. Je te clôture de mon feu. Personne ne pourra rentrer dans ce cercle de feu. Le deuxième cerceau, c'était le cerceau argenté. Le Seigneur dit, c'est ma gloire. Et il dit, c'est une gloire financière. Au nom de Jésus. Et le troisième cerceau, rose fuchsia, il dit, c'est une onction d'allégresse. Il dit, tous ceux qui vont rentrer, alléluia. Il dit, ce que je fais pour toi, tous ceux qui vont rentrer dans ton cercle, dans ces trois cerceaux, vont rencontrer la grâce que je dépose sur ta vie au nom de Jésus. Élevez la main comme ça sur elle. C'est vraiment le Seigneur. L'élève encore. Je vois son élévation à une dimension qu'elle n'a pas encore expérimentée. Il y a une gloire sur elle. Et tous ceux qui vont rentrer avec elle dans son ministère, qui vont l'accompagner, même tous ceux qu'elle invitera, seront touchés, impactés. Levez les mains en signe. Le Seigneur vous communique aussi cette grâce qui repose sur elle. Père, comme tu as déposé cette grâce, cette triple grâce sur la mère de cette maison, répands cette grâce sur tous ceux qui sont là maintenant, au nom de Jésus. Qu'ils soient clôturés par un cercle de feu. Du feu, leur vie, leur famille, qu'ils reçoivent le même cercle de feu que ta servante au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent maintenant le cercle d'argent de la prospérité au nom de Jésus. Recevez cette onction maintenant. Père, libère maintenant ton onction d'allégresse. Qu'ils reçoivent maintenant par le contact, cette main de contact avec le ministère de ta servante, qu'ils reçoivent maintenant l'onction d'allégresse sur leur vie au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très très fort le Seigneur. Je viens dans ton sanctuaire, je viens dans ta demeure, je viens dans ton sanctuaire pour contempler ta splendeur. Je viens dans ton sanctuaire, je viens dans ta demeure. Je viens dans ton sanctuaire pour découvrir le mystère de ta sainteté. Oh, oh, reçois mon